Bonsoir à tous. Donc, écoutez, je suis ravi de pouvoir représenter ma formation par le biais de ce petit discours. Au cours des deux années qui ont composé notre master rédacteur professionnel, donc nous avons bien évidemment été formés à la rédaction de discours. Les restituer devant une telle audience est un exercice un peu plus difficile. Je vous demanderai donc un peu d'indulgence, au cas où quelques hésitations se glisseraient ici et là. Donc ce temps de parole est évidemment l'occasion de remercier l'équipe pédagogique du master, en commençant par les responsables, Véronique Ré et Marie-Emmanuelle Pereira, qui ont suivi notre progression avec beaucoup d'attention et de disponibilité, et qui ont aussi toujours été à notre écoute. Je n'oublie pas également les autres professeurs qui, chacun dans leur domaine, nous ont beaucoup apporté. Donc j'aurai également un mot pour mes camarades qui ne sont malheureusement pas tous présents aujourd'hui. Même avec une promotion de 7 personnes, on n'a pas réussi à être à 100%. Donc quoi qu'il en soit, Charline, Elodie, Laura, Lauriane, Marie, Richard et moi-même sommes les rescapés de cette promotion 2014, pour poursuivre la métaphore marine. Je me souviens donc de ce jour de septembre 2012 où nous nous sommes tous rencontrés. Nous venions d'horizons très divers et nous avions fait le choix de nous engager dans cette formation nouvelle. Et aujourd'hui, après tous ces bons moments passés ensemble et aussi des périodes de labeur particulièrement effrénées, je pense que personne ne regrette d'avoir fait ce choix. Et c'est bien notre bonne entente qui nous a permis de profiter pleinement du semestre d'études à Sherbrooke, au Québec, qui restera une expérience inoubliable pour chacun d'entre nous. Donc pour conclure, je remercie également l'ensemble du personnel de l'ESP, la direction, qui nous a permis d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Et mon dernier mot ira à notre camarade et ami Richard Weilbrenner, qui, sachez-le, a parcouru hier 5000 km pour venir du Québec et être présent parmi nous ce soir. Et donc je lui redis, je le remercie. Voilà, je vous remercie.